En te remerciant pour l'étude biblique, nous demandons ce soir que ta guérison, que le miracle, oui, nous fasse ouvrir les yeux pour voir ce que nous devons voir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que nous voyions et que nous comprenions les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Dirige-nous, conduis-nous, montre-nous le chemin, montre-nous la voie empruntée. Et une fois que tu nous montres le chemin et que tu te révèles à chacun de nous, que nous ne nous égarions pas de ta voix au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole dans chaque vie. Que l'étude d'aujourd'hui profite à tous sans exception. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un amen de 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, quelqu'un crie aussitôt, et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus demeure le même. Il fera la même chose dans toute vie, cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il a recouvré la vue aussitôt et a suivi Jésus dans le chemin. C'est où nous voyons ce passage qui a pour titre « Le grand miracle des yeux aveugles ouverts ». Le grand miracle d'ouvrir les yeux aveugles. Le grand miracle d'ouvrir les yeux aveugles. Vous pourrez dire que je vois, je ne suis pas aveugle. Puisque je ne suis pas aveugle, pourquoi étudions-nous ceci? Numéro 1, parce que c'est l'écriture. On doit étudier toute l'écriture. Quoi que vous ne soyez pas physiquement aveugle, Dieu a quelque chose pour vous. Parce que tout ce qui a été écrit l'a été. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction afin que nous ayons l'espérance de et la cécité ne se limite pas au physique. Il y a des choses qui sont aveugles aux choses qu'ils devaient voir dans leur propre vie. Faire le progrès, ils n'arrivent pas à le voir jusqu'à ce que le Seigneur ouvre vos yeux. Cette nuit, il ouvrira vos yeux. Au nom de Jésus-Christ. 3. Il y a des fois que le Seigneur lui-même, Jésus, pourrait se présenter à vous sans que vous le sachiez que voici le Christ, votre Rédempteur. Et à moins qu'il vous ouvre les yeux, vous ne serez pas, vous ne connaîtrez rien. Donc, spirituellement, beaucoup sont aveugles. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est joint à ces deux types,
en chemin vers Emmaüs. Ils discutaient de sa mort, de ce qui était arrivé deux jours, trois jours passés, que quelques-uns étaient allés au sépulcre, ils n'avaient pas pu le voir. Il était là avec eux, parlant avec eux. Il leur posait des questions. Qu'est-ce que vous discutez entre vous? Et jusqu'à ce qu'il soit sur le point de les quitter, ils l'ont invité d'être avec eux à la table, et à la table, il a rompu le pain. Et soudain, leurs yeux s'ouvrirent, et ils ont vu que voici Jésus. On a besoin des yeux ouverts pour comprendre, notre esprit ouvert, pour avoir la révélation spirituelle que le Seigneur nous donne. Vous pourrez vous rappeler le serviteur d'Élisée, et il pouvait voir toute l'armée syrienne, mais il ne pourrait pas voir au-delà de cela. Il a dit, nous sommes dans un grand problème. Il dit, mon père, que ferons-nous? Et l'homme de Dieu a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Lorsque le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a pu voir les chairs de feu venant du ciel, envoyés pour les protéger. Il croyait qu'il n'avait pas de protection jusqu'à ce que le Seigneur ouvre ses yeux. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Vous ne serez pas aveugle à votre progrès. Vous ne serez pas aveugle aux promesses de Dieu. Vous ne serez pas aveugle aux promesses, aux provisions que le Seigneur a faites pour vous au nom de Jésus-Christ. Il ouvrira les yeux de votre intelligence. Vos yeux physiques seront ouverts. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. À cause de ce que vous avez vu, vous allez faire beaucoup de progrès, plus que vous n'avez fait dans les années passées. Cette année 2020 sera une année de progrès pour vous, une année d'accomplissement, de réalisation pour vous. À part cela, et c'est à part de faire cette année une année de progrès, de satisfaction, de grandes choses pour vous, et que le Seigneur ouvrira vos yeux cette nuit. Cela va commencer cette nuit pour vous. Le titre est « Le grand miracle d'ouvrir les yeux aveugles ». Nous allons voir trois points. Premier point, la condition et le cri de l'aveugle. L'homme avait appris que Jésus passait, il commençait à appeler, à crier, il commençait à supplier Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Numéro 1, la condition et le cri de l'aveugle. 2, la confiance et l'engagement à croire. C'est-à-dire croire au Seigneur. Il a confiance au Seigneur que le Seigneur peut résoudre mes problèmes. Il peut résoudre tes problèmes. Le Seigneur peut résoudre mes problèmes. Il va résoudre tes problèmes. Il a cet engagement, cette confiance de croire. Et il continue à croire. On dit, tais-toi, il ne faut plus dire cela. On lui dit, mais toi, tu fais le bruit ici. Tais-toi, c'est assez pour toi. Et il a crié, recrié de plus. La confiance et l'engagement à croire. 3, la cure et la conversion du croyant. Il a cru au Seigneur, comme il a cru au Seigneur, il avait la cure, il avait la guérison, le recouvrement de ses yeux, il avait le miracle des yeux ouverts. Quand vous croyez au Seigneur cette nuit, il ouvrira toute porte devant vous, il ouvrira le chemin devant vous, et ce que vous attendez, que vous n'avez pas vu un fort longtemps, voici votre jour, je le verrai. Je dis, je le verrai. Vous le verrez au nom de Jésus-Christ. Et l'homme, non seulement qu'il a reçu une guérison physique, non seulement qu'il a reçu la vue physique, mais aussi un changement de cœur de vie. Il y avait la conversion. C'est dit qu'après que ses yeux étaient ouverts, il a suivi Jésus dans le chemin. Il connaissait la bonne chose. Au lieu d'aller ici, par-ci, par-là, cherchant ceci, cela, il a dit, je dois suivre le Seigneur. S'il pouvait faire cela dans ma vie et à changer ma vie, s'il a seulement fait cela, tout comme je crois en lui et que reçois ta vue,
Et alors, je peux recevoir plus de lui. Je vais le suivre de, comme ce que j'ai aujourd'hui, ce que vous aurez aujourd'hui, vous allez recevoir plus au nom de Jésus-Christ. La cure et la conversion du croyant. Nous allons au premier point. La condition et le cri de l'aveugle. La condition et le cri de l'aveugle. Allons à Marc chapitre 10. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Jésus sortait de Jéricho. Au fait, voici la dernière chance de cet homme. Et Jésus ne reviendra plus à Jéricho après cette occasion. Voici la dernière fois que Jésus passait par Jéricho, sortait de Jéricho et il allait à Jérusalem. Et l'homme là a saisi l'occasion, il a saisi cette occasion, disant que voici mon occasion. Je prie que vous ne ratiez pas votre occasion toutes les fois que le Seigneur passe par votre chemin au nom de Jésus-Christ. Verset 47. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il a entendu. Ce que vous avez entendu vous fera du bien. Ce que vous avez entendu vous élèvera. Ce que vous avez entendu vous amènera la conviction. Ce que vous avez entendu vous conduira à la prière au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui entendent simplement. Il n'y a pas d'action de ce qu'ils ont entendu. Ils entendent et il n'y a pas de progrès au travers de ce qu'ils ont entendu. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de persistance de ce qu'ils ont entendu. Il a appris, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs, pas seulement un ou deux individus. Tout ce qui passait, aveugle, toi, tais-toi là-bas. Aveugle, tu cries beaucoup. Et toi, aveugle, donne-nous un peu de répit ici. Toi, tu cries ici. Toi, tu trop de ta part, tu nous gênes ici. Beaucoup de personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Tais-toi. Et l'homme n'a pas permis à cette pression d'éteindre le feu dans son âme. Et il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de vous faire taire. Ces gens ne vont pas vous vaincre. Beaucoup de personnes qui vont essayer de crier sur vous pour éteindre votre prière afin de vous empêcher de recevoir du Seigneur. Ils ne vont pas vous éteindre au nom de Jésus-Christ. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Il disait, je sais que vous avez entendu que je crie, je sais que vous avez entendu que je supplie, mais je ne m'adresse pas à vous, je ne supplie pas, je ne vous supplie pas, je m'adresse à la personne, et à une personne, je veux qu'il m'entende, et jusqu'à ce qu'il m'entende, et qu'il me fasse quelque chose, je ne vais pas m'arrêter. Je veux que vous ayez cette décision. Alors, c'est dit ici que, mais il criait beaucoup plus fort. Fille de David, aie pitié de moi. La conviction, la condition et le cri de l'aveugle. Nous allons à Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Versets 8 et 9. Jean 9. Verset 8 et 9. Voici un autre aveugle. Il était né aveugle. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Voyez, dans ces autres fois-là, dès que les gens étaient aveugles, il n'allait pas à l'école, il ne pouvait pas aller à l'école, il ne pouvait rien faire, il devenait parasite, il dépendait des autres. Mais les choses sont différentes aujourd'hui. Ces aveugles, d'autrefois, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de s'asseoir au bord de la route pour mendier. Et
les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Il a reçu son miracle. Il dit c'est moi. Vous allez porter votre témoignage. Vous allez rendre votre témoignage. Verset 19. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Comment il est venu voir? Le Seigneur Jésus l'a touché et le Seigneur l'a envoyé se laver à Siloé. Le Seigneur vous touchera cette nuit. Il n'a pas changé le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il touche les gens qui sont aveugles ou qui lui a ouvert les yeux. Alors, les pharisiens vont lui poser une question, ce qui est très important et très instructif pour vous. Voilà le verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. » Où est cela? Que c'est pourquoi je suis venu, pour que les aveugles voient. Et puis il continue de dire que, « Et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Il y a des gens qui disent que, et nous voyons, ne sont pas aveugles. Mais Jésus a dit, mais c'est pourquoi je suis venu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que les aveugles voient, mais ceux qui professent voir, ceux qui proclament de voir, quels sont les gens qui seront aveugles. Je crois qu'ils ont compris. Verset 40, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes aveugles. Nous pouvons voir, nous ne sommes pas nés aveugles et nous nous promenons, on va par-ci, par-là, on ouvre les yeux, on lit. Est-ce que tu dis que nous aussi nous sommes aveugles? Verset 41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Si vous étiez aveugles, si vous avez accepté le fait que vous êtes aveugle, alors je vous convertirai, je changerai votre cœur et vous serez réellement, vous allez proprement voir. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché demeure. Ils sont demeurés spirituellement aveugles parce qu'ils disaient qu'ils voyaient. Comme on voit l'étude, alors vous allez vouloir comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui marchent et qui voient naturellement, qui voient physiquement, mais ils sont aveugles. Voyons, Ésaïe 56, Ésaïe 56, verset 10. Ésaïe 56, 10. Ces gardiens sont tous aveugles. Voyez cela, ces gardiens, les prédicateurs, les gagneurs d'âme, les évangélistes, ceux qui doivent déclarer la pensée du Dieu Tout-Puissant aux enfants d'Israël sont appelés aveugles, gardiens. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. L'ignorance et l'aveuglement vont de pair. Si vous êtes ignorant de qui vous êtes aveugle. Si vous êtes ignorant de la personne qui est votre sauveur, vous êtes aveugle. Si vous êtes ignorant de la vie que vous devez mener et le chemin à suivre, vous êtes ignorant, vous êtes aveugle. Si vous êtes ignorant de votre rédemption, vous êtes aveugle. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Nous lisons le verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous marchons, nous avançons, on se promène. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point d'yeux. On a des yeux physiques pour voir,
On a les yeux physiques pour voir naturellement, mais on tâtonne. On se promène comme si on n'a pas Dieu. Et au milieu de nous chancelons à midi comme de nuit. Quand les gens chancellent, ils tombent dans le fossé, ou bien dans la fosse. Quand les gens chancellent, ils tombent dans le mal. Mais je n'ai pas vu le trou là-bas. Je n'ai pas vu la calamité là-bas. Je n'avais pas vu la pierre d'achoppement là-bas. Mais ils ont des yeux pour voir. Ils chancellent et tombent à tout moment. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Oh, en tant que des aveugles, on ressemble à des morts. Voyons Genèse, quand nous parlons de l'aveuglement ou de la cécité, parfois on voit physiquement, mais on ne voit pas ce qui est bon pour soi, ce qui est approprié pour vous. Alors, ce qui doit vous faire ôter du fossé dans lequel vous vous trouvez pour entrer dans la bonté du Seigneur. Cette nuit, le Seigneur ouvrira vos yeux. Église, je dis, cette nuit, le Seigneur ouvrira vos yeux. Voyons, Genèse 21. Voyons ce dont nous parlons, que le Seigneur touche vos yeux, qu'il vous transforme, que le Seigneur ouvre vos yeux, que ce que vous devez voir, la provision du Seigneur, que vous le voyez cette nuit au nom de Jésus-Christ. Genèse 21, verset 15. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Voici la mère d'un enfant et n'avait pas d'eau. Il n'y a personne ici. Toute l'eau, toute ressource épuisée. Et elle pensait que mon enfant allait mourir. Dieu merci, votre enfant ne mourra pas. Et comme elle pensait comme ça, elle commençait à pleurer parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et ils étaient dans le désert. Voyez le verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Le Seigneur a entendu la voix de votre cri et la voix de votre souci. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. C'est-à-dire la personne que la maman croyait qu'elle mourra parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ressources, voici un lieu désert, il n'y a pas un moyen de trouver de l'eau pour réveiller cet enfant. Dans le verset 19, et Dieu lui fait quoi? Crier le mot là, et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle n'était pas physiquement aveugle, oui, le puits d'eau était là à tout moment, et la provision était là à tout moment, mais elle ne pouvait pas voir. Parce qu'elle ne pouvait pas voir, elle pleurait. La solution à votre problème est très proche. Il n'y a pas raison de pleurer parce que vous ne pouvez pas voir la solution, vous ne pouvez pas voir la provision. C'est pourquoi vous pleurez, c'est pourquoi elle pleurait. Verset 19 dit, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Voyez ce que le Seigneur dit ici. Il dit que, quoi que vous voyez physiquement, il y a des domaines que vous ne pouvez pas voir. Le puits d'eau est là-bas, la provision est là, la solution est là.
Oui, la percée spirituelle est là. Ce qui va vous nourrir est là. Tout est là. Mais vous ne pouvez pas voir. C'est pourquoi vous pleurez pour rien. Vous n'allez plus pleurer. Vous n'allez plus verser des larmes. Le Seigneur ouvrira vos yeux. Vous allez voir le puits d'eau, l'abondance de provisions qui vous est réservée. Alors, vous allez tout voir et cela va subvenir à tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Deuxième Roi 6, verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Ça, c'est l'insécurité. Il s'est levé le matin et Élisée oui, parlait au roi à Damas et s'est reconnu que c'était lui qui n'a pas permis que les Syriens détruisent les enfants d'Israël. Donc, le roi syrien a envoyé aller l'arrêter le matin avant qu'il ne se réveille. Déjà, les gens se trouvaient là-bas et ils ont assiégé tout le lieu. Et ce que le serviteur pouvait voir, c'est un signe d'insécurité. Regardez le derrière, l'insécurité. Regardez autour de vous, l'insécurité. Donc, il a crié. Il dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Mais le Seigneur ouvrira vos yeux. Il y a beaucoup de peur. Si le Seigneur n'a pas ouvert nos yeux, il y aura tant d'appréhension. Lorsque le Seigneur n'a pas ouvert nos yeux, on marche, on a seulement la vue physique, regardez le problème, et on regarde le problème, et on l'entend partout, on le voit partout, la crainte viendra. Vos craintes se dissiperont. Dès que Dieu ouvre vos yeux, vos craintes vont s'évaporer. Voilà le verset 16. Il répondit, ne crains point. Cette nuit, je vous dis, ne craignez pas. Quelqu'un là-bas, je te dis, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mon Père, mon Seigneur, je ne peux pas les voir. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Où sont-ils? Je peux voir les chars et les chevaux. Mais verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Éternel, fais quoi? Ouvre ses yeux. L'homme n'était pas physiquement aveugle. Avec ses yeux physiques, il pouvait voir les chars autour d'eux. Mais maintenant, l'Éternel a reçu la prière. Lorsque Élisée a prié, et l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Des chars de feu autour de vous. Des anges de feu autour de vous. Lorsque vous sortez, ils seront autour de vous. Lorsque vous entrez, ils seront autour de vous. Lorsque vous allez au service, ils sont autour de vous. Lorsque vous revenez du marché, ils sont autour de vous. Partout où vous allez, des chars de feu seront autour de vous au nom de Jésus-Christ. C'est comme des flammes de feu autour de vous. Les cafards ne peuvent pas entrer à vous. Le serpent ne peut pas entrer vers vous. Les puissances maléfiques ne peuvent pas entrer en vous, dans votre foyer, dans votre famille. Et tous ces Syriens qui vous entourent ne peuvent pas vous toucher au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée
Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Ouais, l'autre prière. Il a prié et les yeux de ses serviteurs étaient ouverts. Maintenant, il a prié et les yeux des ennemis étaient aveuglés. Je n'ai pas dans votre amen. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappait d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et lorsqu'ils étaient aveugles, ils croyaient qu'ils pouvaient tout voir. Ils ont vu Élisée comme un homme. Mais ils ne l'ont plus voir, ils étaient aveugles. Vos ennemis ne vous verront pas tel que vous êtes. Ils seront aveugles. Et Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Et ce n'est pas ici la ville. Alors, vous suivez-moi. Alors, c'est lui qui est maintenant au contrôle des chars du camp de l'ennemi. Vous serez au contrôle. Je dis, vous serez au contrôle. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Verset 20. Lorsqu'il fera entrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit. Ouais, tout ce que nous lisons, ce n'est pas l'aveuglement physique, mais ils ne pouvaient pas voir que c'est Élisée, que c'est la personne qu'ils cherchaient. Et lorsqu'il les a conduits vers le roi, ils ne pouvaient pas voir tout au long du chemin. Ils pouvaient voir le chemin, voir le paysage, voir tout, mais ils ne pouvaient pas reconnaître la direction qu'il allait arriver là-bas. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Lorsque les yeux de vos ennemis seront aveugles, ils deviendront aveugles. Lorsque ils seront sous votre autorité, votre puissance, votre pouvoir, les yeux seront ouverts au nom de Jésus-Christ. Allons à Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Les yeux ouverts des aveugles. Si vous ne savez pas que vous avez les yeux aveugles, comment allez-vous prier? Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ouais, il y a des gens qui disent que pourquoi aller à l'étude biblique, je n'ai besoin de rien. Pourquoi aller à l'étude biblique, je vais là-bas parce que, au fait, je vais bien, j'ai un boulot, j'ai des richesses, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants, tout va bien pour moi, je n'ai besoin de rien. Je prie que le Seigneur ouvre vos yeux, que je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le temps est venu. Vous allez voir. Je verrai. Nous tous, nous verrons clair et bien au nom de Jésus-Christ. Voilà la prière que nous devons faire. Nous allons à Psaume 119. Psaume 119, 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. 18. Ouvre mes yeux
ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Avez-vous trouvé des gens bien instruits? Au fait, ils sont vraiment instruits et ils écrivent des journaux, des livres, même, disons même, ils ont écrit des encyclopédies et ils sont des grands et dans le domaine de la médecine, dans le domaine du journalisme, de la linguistique, de l'ingénierie, ils peuvent tout écrire, mais ils appartiennent à la fausse religion, ils ont la Bible, mais ils n'ont pas compris la voie du salut. Il y a des gens qui sont religieux, ils vont vous dire que j'ai lu la Bible plusieurs fois. Mais avez-vous lu Jean? Oui, je l'ai lu. Avez-vous lu Jean 3, 3 et verset 5? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je l'ai lu plusieurs fois. Pourquoi n'es-tu pas né de nouveau? Leurs yeux ne sont pas ouverts. Je rends grâce à Dieu de vous avoir ouvert les yeux. Je rends grâce à Dieu de vous avoir ouvert les yeux. Vous connaissez le Seigneur. Vous connaissez sa voix, vous connaissez le Seigneur, le salut en Dieu. Mais chaque fois, vous priez le Seigneur, chaque fois, vous lisez la Bible, vous étudiez la Bible, chaque fois que vous venez devant la parole de Dieu, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Le Seigneur ouvrira tous nos yeux. Nous ne serons plus spirituellement aveugle. Actes des apôtres, chapitre 26, et voyez le ministère de l'apôtre Paul, Actes 26, verset 16. Actes 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire arriver là-bas parmi les païens, parmi les juifs, parmi les rois et les gouverneurs, parmi ces gens-là? Qu'est-ce que je dois faire avec eux, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. C'est le ministère, c'est l'appel de l'apôtre Paul. Voici notre appel, que comme voient les gens qui pourraient lire leur Bible, des gens qui se disent religieux, comme vous voyez les gens qui disent qu'ils sont membres de votre église, vous leur parlez, est-ce que tu as entendu parler de la sanctification? Oui, mais chaque fois, je me demande quelle est la différence entre le salut et la sanctification. Est-ce que vous avez entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit? Oui, chaque fois, je me demande qu'est-ce que je vais faire avec le baptême dans le Saint-Esprit que je n'ai pas reçu au salut et à la sanctification. Qu'est-ce que tu as appris du mariage, que l'homme et la femme sont unis, sont un, jusqu'à ce que la mort les sépare? L'homme et la femme viennent à l'église, chaque fois on jeûne. Qu'est-ce que tu vas faire de la deuxième femme? Je ne sais pas. Mais tu viens à l'église depuis combien de temps? Il y a 3 à 5 ans, je viens à l'église. Leurs yeux ne sont pas ouverts. Certes, vos yeux seront ouverts. Je dis, cette nuit, nos yeux seront ouverts. Il y a des gens qui font des choses, peut-être dans leur famille, la femme fait la chose contre le mari et innocemment, elle blesse le mari. Les yeux ne sont pas ouverts jusqu'à ce que le mari parle que ma femme, tu vois, chaque fois tu dis que je t'aime, mais pourquoi tu fais cela? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas. Est-ce que cela te blesse? Mais si cela me blesse depuis des années, pourquoi ne me l'as-tu pas dit?
Je crois que puisque tu es chrétien, tu es né de nouveau, on va à la même église. Je crois que tu comprends. Alors, peut-être c'est le mari qui fait la chose contre la femme. Il fait cela innocemment, sans savoir qu'il blessait la femme, car ce que la femme semble de courage, disant que mon mari, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Chaque fois tu me blesses. Est-ce que cela te dérange? Chaque fois je fais cela, non? Je fais cela avec plaisir. Je fais cela avec sincérité. Leurs yeux ne sont pas ouverts. Mais l'apôtre Paul avait un ministère. Nous avons un ministère. Comme nous visitons les gens, leurs yeux seront ouverts. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, jusqu'à ce que leurs yeux soient ouverts, ils n'auront pas le pardon du péché, ils ne vont pas prier. Tout ce qu'ils vont dire, c'est que on a fait ce qu'on ne doit pas faire, on n'a pas fait ce qu'on doit faire, pardonne-nous les péchés que nous connaissons, les péchés qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on marche, on pourrait piétiner une fourmi. Lorsqu'on va ici, on peut, sans le savoir, faire des choses mauvaises. Pardonne-nous les péchés connus et inconnus. Ça, c'est pour la prière. Parce que les yeux ne sont pas ouverts, ils n'ont pas le pardon des péchés. Je prie que vos yeux soient ouverts, que vous voyez tel que Dieu voit, que vous sachiez tel que Dieu connaît, que ceci est mauvais, que c'est quelque chose dont il faut se repentir, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Retournons à Marc chapitre 10 et nous lisons le verset 49 et 50. Voici le deuxième point. Sa confiance et son engagement à croire. Verset 49, Marc 10, 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en le disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Christ peut continuer pour un moment, mais les pleurs, les cris vont continuer pour un certain moment, mais vous n'allez pas continuer à pleurer. Christ va vous appeler et résoudre vos problèmes au nom de Jésus-Christ. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bout vint vers Jésus. Trois points. Ici, un, l'appel de l'aveugle. Jésus s'est arrêté. Le Seigneur vous appelle votre nom. Comme il vous appelle, vous allez lui répondre. Quand le Seigneur m'appelle, je lui répondrai. Le Seigneur m'a-t-il appelé? Je vais lui répondre. Dès que Dieu m'appelle, je vais lui répondre. Je prie que vous écoutiez la voix du Seigneur. Comme il vous appelle, vous savez qu'il a le pouvoir, il a la puissance pour pardonner, pour ouvrir vos yeux. Il a la puissance pour vous conduire à la bonne direction. Psaume 45. Psaume 45. Verset. Psaume 45. Et verset 8. Tu aimes la justice. Et tu règles la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, tu es bon. Le Seigneur est bon pour nous. Il accomplira le désir de ceux qui le craignent. L'aveugle Bartimée a un désir et le Seigneur est prêt à accomplir les désirs de cet homme. Vos désirs seront accomplis. Votre prière sera accompli, sera exaucé et votre cri à Dieu ne sera pas en vain au nom de Jésus-Christ. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Jésus a exaucé les cris de Bartimée, il exaucera vos cris. Matthieu, Jésus a le pouvoir, la puissance, la capacité de le faire pour chacun de nous aujourd'hui.
Voyons Matthieu 20. Matthieu 20, 34. Matthieu 20, 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Est-ce que cela peut se passer aujourd'hui? Peut-il ouvrir vos yeux physiquement? Peut-il ouvrir vos yeux? Peut-il guérir votre corps malade? Peut-il ouvrir vos yeux spirituels? Voyons Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et quoi? Dites-le-moi, et éternellement. Il faut le dire, et éternellement. Est-ce que vous croyez à cela? Vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Retournons à Marc chapitre 10. Marc 10, le Seigneur l'a appelé. Maintenant, il allait répondre. Comment a-t-il répondu? Marc 10, verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. L'aveugle jeta son manteau. Aveugle, pourquoi as-tu jeté ton manteau? Parce que ça, c'est l'étiquette de la cécité. C'est un vêtement spécial que portaient les aveugles. Que lorsque une voiture ou bien un char venait de très loin, dès que le phare de ce char brillait sur le vêtement, on saurait que, oui, ça, c'est un aveugle. Alors, il dit, je jette cela, je vais à Christ. Il est mon rédempteur, c'est mon médecin. Il va me faire recouvrer la vue, ce badge, cette étiquette de la cécité, je n'en ai plus besoin. Deux, cet habit l'associe à tous les aveugles. Parce que c'est la chose, c'est ce qu'il portait. Si c'était aveugle, et comme tu es comme moi, je suis comme toi. Maintenant, oui, cette étiquette d'association avec tous les aveugles, avec ceux qui ne pouvaient pas voir le chemin de leur vie, ne peuvent pas voir leur futur, ne peuvent pas voir leur destinée, je ne vais plus être avec eux, je serai avec Christ. Alors, il va me séparer de ces gens. Et donc, cette étiquette d'association, je jette tout et dis que je dépends de ce tabis. Dès que je le porte, je sais que les gens ne vont pas me renverser parce qu'ils me voyaient. Mais de ce dont je dépendais dans le passé pour me protéger, alors maintenant je vais à Christ et Christ sera mon libérateur, il sera mon rédempteur, il sera mon sauveur. Je ne vais plus dépendre de cet habit, je dépendrai de Christ. C'est pourquoi il a jeté cet habit pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Alors, qu'est-ce que nous devons mettre de côté? Comme nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous allons à Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi, qui dit, jetez 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions. Alors, si vous êtes dans une association, ça c'est le symbole de votre association avec ce groupe d'individus. Et vous commettez le même crime, la même suite vous en avez, comme vous serez sauvé, vous voulez vous séparer de cette association. Toutes les choses qui vous relient à ces gens, oui, comme le vêtement de cet homme, comme vos transgressions et vos sues, vous les rejetez. Peut-être dans une famille, il y a quelque chose qui vous associe à la famille. C'est l'idolâtrie, l'idole de la famille. Vous en avez, tout le monde en a, les parents en ont. Et la chose là qui vous associe avec le monde idolâtre, c'est ça que vous rejetez. Ce peut être un
une espèce d'habillement qui vous associe à la prostitution ou bien au mal et ou bien à la sûre. Alors, vous rejetez tout. Et comme vous venez à Christ, voyez encore le verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Vous rejetez toutes ces choses et le Seigneur aura pitié de vous. Amen. Voyons Ésaïe 31. Ésaïe chapitre 31. Ésaïe 31 verset 6. Revenez à lui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles. Chacun rejettera, comme vous venez à Christ, vous voulez avoir le salut en Christ, la rédemption en Christ, vous allez rejeter toutes vos idoles. Est-ce que vous faites d'un homme une idole, vous faites d'une femme une idole, ou bien vous faites d'un vieux quelque part une idole, vous faites d'une vieille quelque part une idole, vous faites de l'argent votre idole. Et c'est dit ici que vous rejetiez vos idoles. Donc, afin que l'idole ne vous mène pas à vous ruiner, que le péché, les transgressions ne vous ruinent pas au nom de Jésus-Christ. Et que l'Église dise Amen. Nous allons aux Hébreux, chapitre 12. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et mettons de côté tout fardeau, abandonnons complètement tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Toutes ces choses, comme le péché mignon dans votre vie, vous devez le rejeter, vous devez mettre cela de côté. Nous retournons à Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, verset 50. Marc 10, verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Voyez, il vint vers Jésus. Il y a des gens qui disent que je ne sais plus quoi faire, je me suis repenti, j'ai abandonné mes transgressions, mais je n'ai pas le sentiment de salut, je n'ai pas la confiance, l'assurance du salut. Vous savez quoi? Si l'homme a jeté son vêtement et l'étiquette de l'association à la société et il a jeté, il n'est pas venu à Christ, l'homme ne sera pas sauvé. Il a jeté le vêtement, c'est bon, abandonner vos péchés, c'est bon, c'est nécessaire, mais vous devez venir à Jésus, vous devez venir à Jésus. Il est le sauveur, il est la voie et il est le seul qui puisse pardonner vos péchés. Il est venu à Jésus. Comme vous venez à Jésus, il ne vous abandonnera pas. Il aura pitié de tout pécheur, de tout rétrograde qui vient à lui au nom de Jésus-Christ. Donc vous comprenez maintenant que le salut ne vient pas parce qu'on a pleuré, non. On doit venir à Jésus. Le salut, on n'est pas sauvé parce que
et on se repent et puis on fait tout, on confesse, cela ne suffit pas. On doit venir à Jésus et vous allez dépendre de lui. Vous allez dépendre de lui, croire en lui comme votre seul, comme votre unique sauveur. Luc chapitre 19, je lis verset 5. Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyez cela, vous devez embrasser Christ, croire en Christ, recevoir Christ, parce que à tout ce que l'on reçut, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Allez. Et verset 8. Et Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il est prêt à faire la restitution. Il y a des gens qui professent se repentir. Quelle en est l'évidence? Vous devez être prêt à faire la restitution. C'est comme un petit enfant qui a mis sa main dans une marmite. Elle a pris un morceau de viande et l'a mis. Et maman dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit que, je suis désolé. Et l'enfant continue de manger, de mâcher la viande et l'a englouti. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Si tu dis que tu es désolé, si tu dis que tu te repens, que tu t'excuses de ce que tu as fait, donc tu dois te repentir et retourner l'argent que tu as volé. Tu dois sinon amender tes voies. Alors, puisse le Seigneur nous donner la grâce. Les gens qui attendent que je vais faire la restitution, ils connaissent l'argent qu'ils doivent payer, ils connaissent l'adresse de la personne, ils ont toutes les coordonnées de la personne, mais ils disent que j'attends le conseil. Je veux voir Jean, je veux voir Matthieu, je veux voir André, je veux voir l'un des disciples de Jésus-Christ avant de faire la restitution. Zachée n'a pas attendu. J'attends le pasteur, j'attends ceci, j'attends cela. Dès que ta conscience t'accuse que ceci est mauvais, ce ne doit pas que ce peut ne pas être l'argent volé, mais c'est seulement d'aller dire ou bien je m'excuse de ce que j'ai fait. Cela m'opprime et je ne crois plus quand je prie parce que cela surgit toujours dans mon cœur. Alors, tu vas à la femme, à l'homme, là, lui dire que je suis désolé et puis vous amendez votre voix. Voilà le verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, le Seigneur recevra tout le monde. Comme vous invoquez le Seigneur, il aura pitié de vous et vous serez sauvés au nom de Jésus-Christ. Lorsque le salut vient, il y aura la justice. Lorsque vous êtes sauvés, il y aura un changement de vie. Lorsque le salut vient, il y aura une nouvelle vie. La nouvelle vie, là, ne vous ratera pas. Voyons Jean chapitre 3. Jean 3. Nous lisons le verset 3, Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous vous repentez du péché, il ne faut pas quitter. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme moi, votre sauveur, et c'est lui qui donne ce salut. » Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je veux vous supplier, vous venez à l'étude biblique, vous venez à l'église biblique de la vie profonde, vous venez depuis un fort moment, parfois vous criez, parfois vous vous punissez, que je me repens, je ne vais plus faire cela. Parfois vous allez dire que quand est-ce que je vais cesser cela? Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Comme vous croyez au Seigneur Jésus-Christ d'être votre sauveur, vous avez confiance en lui, vous vous appuyez sur lui, l'assurance du salut vous sera accordée, la paix de Dieu vous sera accordée, la justice par la grâce entrera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 10, Romains 19, Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu crois de tout ton cœur, tu confesses avec ta bouche, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il n'y a plus d'autres personnes qui puissent me sauver. Il est mort pour moi à la croix du calvaire. Il est mon substitut, le sacrifice final. Tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si tu crois réellement, il y aura la justice dans ton cœur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, la justice, vous seront donnés au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant à Marc, chapitre 3. La cure et la conversion du croyant, ou bien de Bartimée. Marc, chapitre 10, 51 et 52. Jésus prenant la parole dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabboni ?» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Numéro 1, sa requête. Il n'est pas venu fermer la bouche, il n'a pas dit, « Christ, tu devais savoir ce que je cherche, numéro 1, sa requête. » Verset 51. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle a dit, « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je reçoive une certaine somme de toi, que je reçoive de le monde de toi. » Qu'est-ce qu'il a dit ?« Que je recouvre la vue. » Vous devez avoir une requête. Voyez votre requête. Et que je recouvre la vue. Dites-lui ce dont vous avez besoin. Dites-lui le salut. Dites-lui la sainteté. Dites-lui ce dont vous avez besoin. La sanctification. Dites-lui ce dont vous avez besoin. Un nouveau cœur. La guérison. Dites-lui ce dont vous avez besoin. Le baptême dans le Saint-Esprit. La grâce pour être stable. Et vous tenir dans la volonté de Dieu. Voyons, Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur ouvrira la porte de miséricorde à vous. Car quiconque demande reçoit. Quiconque demande le salut. Quiconque demande la rédemption. Quiconque demande le pardon. Quiconque demande la vie éternelle, quiconque demande la vue, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses? Le salut est là, le pardon est bon, la rédemption est bonne, la sainteté est bonne, la grâce de Dieu est bonne,
La piété, la sanctification sont bonnes. La puissance est bonne. Le baptême du Saint-Esprit est bon. La guérison est bonne. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vous allez demander et recevoir. Jacques chapitre 1, Jacques 1, Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, numéro 1, sa requête, 2, sa foi. Verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Tout ce qu'on reçoit du Seigneur, c'est par la foi. La guérison, c'est par la foi. Le salut, par la foi. La sanctification, par la foi. Le baptême du Saint-Esprit, par la foi. La santé, par la foi. Le soutien, par la foi. La grâce abondante, tout est par la foi. Comme vous croyez au Seigneur, aujourd'hui, tout ce que vous le demandez, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit les choses matérielles, que ce soit tout ce que vous lui demandez, il vous l'accordera au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 15, 28. Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. C'est la femme qui continuait de crier au Seigneur que je ne vais pas céder. Et quoi que cela paraisse, que je n'aurai pas la chose, elle continue de frapper, continue de demander. Quand vous continuez de frapper, vous allez recevoir. Quand vous continuez de frapper, vous allez recevoir. Quand vous continuez de chercher, vous allez recevoir au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Votre fille sera guérie. Votre fils sera guéri. Votre cœur, votre esprit, votre âme seront guéris. Si vous êtes malade, vous serez guéri au nom de Jésus-Christ. Vous allez reprendre vie. Et vous allez récupérer votre santé. Vous serez rétabli. La guérison viendra. La délivrance viendra. Sur quel fondement? Sur le fondement de la foi. Marc chapitre 5, 34, Marc 5, verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Est-ce que vous êtes là, ma fille? Ta foi t'a sauvée. Es-tu là, mon fils? Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Cela est arrivé. Voilà le verset 35. Comme il parlait encore, suivirent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, que quelqu'un me le dise, que quelqu'un me le dise, ne crains pas, crois seulement. Qu'est-ce que les gens disent? La chose finale est arrivée, il n'y a plus de remède, faut plus craindre, dites-moi encore cela. Dites encore cela pour vous-même, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Votre réponse viendra définitivement. Là, sa guérison. Voyez encore Marc chapitre 10, 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt,
il recouvra la vue. Aussitôt, quand est-ce que vous allez recevoir? Quand est-ce que vous allez recevoir? Vous allez recevoir votre vue au nom de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 8, Matthieu 8, verset 8, Matthieu 8, 8. Voici cet homme, Bartimée, le Seigneur ne l'a pas touché, le Seigneur ne l'a pas poussé, le Seigneur ne l'a pas oint, le Seigneur n'a pas versé de l'huile sur lui, le Seigneur n'a rien fait, il a seulement déclaré la parole. Et quelle parole a-t-il déclaré? Reçois, recouvre ta vue. Dès qu'il parle, la parole là va s'accomplir. La parole déclarée va s'accomplir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et va, ta foi t'a guéri. Cette parole-là vous guérira. Matthieu 8, verset 8. Matthieu 8, 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà le verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voici votre heure. Voici votre temps. Nous retournons à Marc chapitre 10, verset 52. Marc 10, verset 52. L'homme-là était guéri. Maintenant, il voit ce qui suit, qui montre sa conversion. Voici ce qui suit, qui montre que le Seigneur n'a non seulement ouvert ses yeux physiques, mais aussi a touché sa vie, l'a converti et a changé tout en lui. La même chose va se produire lorsque vous croyez cette vie au nom de Jésus-Christ. Il est capable de guérir le corps, guérir l'âme. Il est capable de toucher votre cœur, toucher votre esprit, vous transformer et vous changer parce que c'est la même puissance, c'est la même parole, c'est la même déclaration venant de la bouche de Jésus-Christ qui apporte le salut. La même déclaration apporte la transformation. La même déclaration apporte la cure totale et la conversion totale. Comme vous invoquez le Seigneur cette nuit, comme vous le regardez cette nuit, il touche votre cœur, il va toucher votre âme, il va transformer votre âme, il va transformer votre esprit. Et vous saurez qu'il agit au dehors, il agit au dedans, il agit sur le corps, il agit sur l'âme, il agit dans le présent, il agit dans votre futur, dans votre éternité future. Et c'est ça qui vous amène au futur éternel, ce qui est le pardon, ce qui vous fait sur Jésus. Vous avez la décision que vous allez prendre, que vous n'allez pas retourner en arrière et vous suivez le Seigneur tous les jours de votre vie. Vous allez suivre le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, ils vont seulement avec la guérison. Il m'a guéri. Attends, qu'il effectue la conversion. Il a touché mon corps. Il m'a délivré des choses de la terre. Qu'il vous touche et transforme votre vie. Et la grâce pour suivre le Seigneur, il vous l'accordera. La puissance d'aller pour ne plus pécher, il vous l'accordera. La puissance de mener une nouveauté de vie vous sera accordée au nom de Jésus-Christ. Regardez comment c'est arrivé à cet homme aveugle. Et Jésus est le même aujourd'hui, et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui est arrivé à cet homme vous sera arrivé. Les miracles physiques, spirituels, la guérison de votre corps, le salut de votre âme, et le recouvrement de votre santé, et le recouvrement et la conversion de votre esprit. Marc 10, 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Quelqu'un là-bas crie, Amen. Et aussitôt, la même parole, la seule déclaration, la même parole,
Aussitôt, ce puissant mot sortant de la bouche de Jésus a apporté la guérison aussi bien que la conversion. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle en est l'implication? L'implication qu'il a suivi Jésus dans le chemin. Voyons Jean 10, suivre Jésus, c'est la conversion. Suivre Jésus, c'est la transformation. Suivre Jésus, c'est la nouvelle vie. Parce que l'ancienne vie qui consiste à s'asseoir au bord du chemin pour mendier, ouais, il ne mendie plus. Si vous avez la conversion, n'allez plus retourner à l'ancienne vie. La conversion amène la nouvelle vie. Ça change votre vie. Que maintenant vous suivez les traces de Jésus-Christ. Jean 10, versets 4 et 5. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est ce que l'homme faisait après la conversion, la transformation, après la guérison. Et ses brebis le suivent. Il n'était plus un mendiant, un bouc, n'était plus un pécheur aveugle, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. L'homme n'a pas suivi un pharisien, un sadducéen, un étranger, un personnage religieux. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. L'homme a suivi le Seigneur. Vous allez suivre le Seigneur. Je dis, vous allez suivre le Seigneur. C'est l'évidence de la conversion. Quelqu'un dit que je crois au Seigneur, je suis converti, je suis enfant de Dieu, mais tu dois suivre le Seigneur. Si tu ne suis pas le Seigneur, il n'y a aucune évidence que vous êtes converti, vous êtes né de nouveau. Jean 8, verset 11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Une nouvelle vue. Que quelqu'un mette à créer une nouvelle vie. Une nouvelle vie viendra à tous. Lorsque vous suivez le Seigneur, vous ne suivez pas un ivrogne, vous ne suivez pas un pécheur, vous ne suivez pas ceux qui vivent dans les rues, sous les ponts, vous ne suivez pas les gens des ténèbres, vous ne suivez pas la voie du péché, vous suivez le Seigneur. Il dit, va et ne pêche plus. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voici l'aveugle. Ses yeux maintenant sont ouverts. Il suit maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Il ne va plus retourner à son aveuglement. N'allez plus retourner à votre aveuglement. N'allez pas retourner à vos vomissements. N'allez pas retourner à l'immoralité. N'allez pas retourner à votre suivi au nom de Jésus-Christ. Et que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous ne suivez pas votre obstination, vous ne suivez plus la société, vous ne suivez plus votre voie de péché. Maintenant, vous demeurez dans sa parole, vous suivez Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous serez de véritables disciples. Chapitre 12, Jean 12. Je lis verset 26. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Parce que l'homme a fait, je vais servir le Seigneur, je vais adorer le Seigneur, je vais abandonner la voie des ténèbres, je vais servir le Seigneur de tout mon cœur maintenant. Je suis reconnaissant qu'il m'a guéri, je lui donne mon cœur, ma volonté. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis,
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean, chapitre 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est ce que l'homme a fait. Il n'a pas voulu demeurer dans les ténèbres et suivre le Seigneur. Là où le Seigneur va, je le suivrai. Ce qu'il fait, je le ferai. Ce qu'il dit, je vais y obéir. Tout ce qui concerne ma nouvelle vie sera de suivre le Seigneur et marcher sur les traces du Seigneur. Allons à 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, 21. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, la vie qu'il a menée, la vie de sainteté, de bonté, d'amour, la vie d'obéissance au Père, la vie de soumission totale au Père, et vous laissant un exemple afin que vous suiviez ces traces, que vous suiviez ces traces. La grâce pour suivre, que le Seigneur nous l'accorde, que le Seigneur vous l'accorde. Vos voisins sauront que vous suivez le Seigneur, votre famille saura que vous suivez le Seigneur, votre conscience saura que vous suivez le Seigneur. Tout ce que vous ferez, vous direz, c'est ce que le Seigneur ferait, c'est ce que le Seigneur aurait fait. Et vous allez continuer de suivre le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec l'immoralité. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec la fornication. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec l'adultère. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec la pornographie. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. On a vu l'exemple et la leçon que nous avons apprise de cet aveugle Bartimée qui n'est plus aveugle. Je prie que le miracle de sa vie se reproduise dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. On a vu sa conviction, sa condition, son cri, sa confiance, on a vu son engagement à croire, on a vu sa cure, on a vu sa guérison, on a vu sa consécration, on a vu sa conversion. Je prie que tout ce qui est arrivé à cet homme arrive à chacun de nous. Physiquement, vous aurez votre guérison. Spirituellement, vous aurez votre salut. Et la grâce pour sur le Seigneur sans regarder en arrière, que vous continuez dans cette grâce jusqu'à ce qu'il vienne au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas fatigué. Vous ne serez pas faible. Vous allez, comme il a suivi le Seigneur constamment, vous aussi, vous allez suivre le Seigneur. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour. Le monde derrière moi. Et la croix devant moi, pas de retour. Suis Jésus dans le chemin, il n'y aura pas de retour dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et ayons une reproduction de ce miracle dans notre vie, d'avoir les yeux ouverts, d'ouvrir les yeux de notre esprit. Prions le Seigneur maintenant. Que le Seigneur lui-même fasse la même chose qu'il a faite à cet homme. L'homme était guéri. Criez maintenant, parlez au Seigneur, dites-lui votre problème, dites-lui votre situation. Seigneur, voici mon besoin. Que personne ne vous fasse taire. Que personne ne ferme votre bouche.
que personne n'arrête votre prière. Parlez au Seigneur de tout votre cœur. Seigneur, voici ma condition. Touche mon corps, touche mon cœur, touche mes yeux, touche mon âme, touche mon esprit. Seigneur, transforme-moi et fais quelque chose. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et j'ai le regard vers toi maintenant. Comme il vous touche, comme il vous guérit, comme il vous convertit, comme il vous sanctifie, comme il exauce votre requête. Vous allez suivre le Seigneur constamment. Vous allez le suivre toujours. Vous allez suivre le Seigneur avec consécration de tout votre cœur jusqu'à ce que vous le voyez face à face à l'au-delà. Ouvrez la bouche disant, Seigneur, je ne vais pas regarder en arrière. Je ne t'abandonnerai pas. Je vais continuer à te suivre. Et le Seigneur vous accordera la grâce de le suivre constamment jusqu'à la fin.